Bonsoir, chers amis téléspectateurs de IF et Channel. Très, très heureuse de vous retrouver encore une fois et bienvenue dans votre émission Look de Star. Chers amis téléspectateurs, cette fois, encore une fois, nous avons l'immense plaisir de recevoir un artiste, l'enfant du Maquet, compositeur, auteur, interprète. Un artiste hors pair qui nous fait de l'acoustique et aussi du malheur. Chers amis téléspectateurs, ce soir, je vous promets que la scène va être superbe car Yoro Niaï, ici présent, va nous proposer de très très belles chansons et de très très belles tenues comme nous avons l'habitude de le faire à chaque fois. Et je vous le rappelle encore une fois, Look de Star est votre émission qui vous propose une partie musicale mais aussi mode. Quand nous parlons de mode, nous parlons bien sûr des looks des artistes. Nous parlerons de leur choix vestimentaire, mais aussi de leur choix musical. Et sans plus tarder, chers amis téléspectateurs, Yoro Niaï qui va nous proposer un playback. A tout de suite. Like Leggy, the Jamu no Japmo. Bang a fuck me, dame le faté. Yen say je fi jamu mo rek la, du chage, dame le paye. Gila nyu di fon, manu nyu kusul, manu melon. Lanyu sikon manu nyu kusul fanyu njaron lanyu defo onno jamais namana le namana le namana say ci sami besu neex sama xel de ci fama jogi won yen say sama xel de ci nit ñu bax ñama sekkalo ilanu di fon manu ñu ko sul nang malon lañu ci xon manu ñu ko sul fañu jaaroon lañu dundoon on no jamais namna len namna len namna len New York yen atna ni uterte tara jaru fi feci colore oh no manak manadi sore uñu dere dara dun bi dara sa xufi nañu sama kolare namna len namna len namna 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 len namna mande namna len namna 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 len manu yen. Yes, et je vous l'avais promis, chers amis téléspectateurs, c'est un très grand artiste et j'imagine que vous le connaissez tous. Nous allons mieux le connaître et pour ça, nous allons directement attaquer notre première rubrique biographie parcours. A tout de suite. Chers amis téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Look de Star, dans votre rubrique biographie parcours. Et comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes avec Yoro Niaï. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. C'est un honneur, un plaisir, comme je viens de le dire, de vous recevoir dans notre plateau. Ah, le plaisir pour moi, c'est un plaisir de venir vous rendre visite ce soir.
et puis essayer de partager avec vous. Vraiment, je regarde l'émission, c'est hyper important pour afin que les téléspectateurs, les fans découvrent notre look et le pourquoi de nos choix en termes vestimentaires, quoi. Super et musical. Donc ma phrase fétiche revient, comme j'ai l'habitude de le dire, on dit souvent que l'histoire est toujours mieux racontée par son auteur ou la personne qui l'a vécu. Alors Yoro, en quelques lignes, c'est qui Yoro Ndiaye? Yoro Ndiaye, c'est un bol. C'est un Bakoua qui est dans la musique depuis vraiment, ça fait quand même un peu longtemps quand même maintenant. J'ai commencé à vieillir parce que on aperçoit les cheveux blancs, donc je commence à vieillir. Okay. Donc ça fait un bon moment quand même que je suis dans la musique, mais je l'ai commencé à embarquer dans les années 90, quoi. Okay. Ouais, du coup, si on peut dire, mais c'était en tant qu'amateur. Mais c'est dans les années 2000 que j'ai vraiment commencé ma carrière professionnelle, quoi. D'accord. Mmh. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a incité à faire la musique? D'où est venu cet amour pour la musique? En fait, moi j'ai l'habitude de dire que c'est la musique qui est venue en moi. Okay. Parce que vu l'environnement d'où je suis venu, voilà, si je fais de la musique, ça étonne beaucoup de gens parce que mon père, il est quelqu'un, c'est un fervent talibé mourite, donc qui est dans les Khassaïds et voilà, dans les Ndigal de Serigne Touba. Donc si son fils fait de la musique, ça étonne beaucoup de gens. Okay. Donc ben, comme je dis, c'est la musique qui est venue en moi. Donc en grandissant, j'étais en train de devenir musicien sans le savoir. D'accord. Voilà, donc étant jeune, je tapais sur tout ce que j'avais dans les mains, je construisais des tam-tams, des toksingalams, des instruments, voilà, donc pour m'exprimer. Donc c'était quelque chose qui était en moi et je grandissais avec sans être conscient de ce que je faisais, quoi. Okay. Jusqu'à un bon moment, après, je me suis réveillé, je me suis dit, voilà, c'était ça que j'étais en train de devenir, un musicien. Et ça n'a pas posé un problème au niveau de la famille? Pas tellement, quoi. C'est-à-dire, ça les a pas plu tout de suite. Mm-hmm. Parce que, voilà, donc, mais mon père, c'est un démocrate, en fait. D'accord. C'est un talibé, il a ses exigences. Mm-hmm. C'est-à-dire, comme c'est mon choix, il avait des choses qu'il fallait m'exiger, c'est-à-dire de ne pas jouer en baké. D'accord. Donc, étant un natif de Mbaké et que je sais ce que Serigne Touba n'aime pas. D'accord. Dans cette ville. Donc, je peux faire ma musique, mais ailleurs, quoi. Ok, donc il fallait exiler, il fallait partir. Il fallait m'exiler. Même si ce n'était pas ça, en fait, il fallait m'exiler pour m'exprimer, parce que Mbaké, c'est une petite ville, en fait. Mm-hmm. Il n'y a pas assez d'infrastructures à partir de Mbaké, je ne pouvais pas me faire entendre. Donc, il fallait que je bouge un tout petit peu. Même si ce n'était pas les interdits de mon père, il fallait que je me déplace pour venir là où ça se passe, quoi. Dans le milieu du showbiz, c'est ça? Et arriver sur Dakar, ça n'a pas été difficile, tes premiers pas? Oui, c'était difficile, hein, comme tout début, parce que voilà, donc je ne pouvais pas me nourrir de la musique. Il fallait que je me tape de quelques boulots, des petits boulots, vraiment, comme marchand ambulant. Mmh. J'ai atterri aussi au niveau du Club Med, comme voilà, donc j'ai travaillé là-bas. Et là, c'est là où j'ai vraiment eu vraiment ma première scène. Non, pas exactement mes premières scènes, mais bon, c'est là où je me suis épanoui vraiment, quoi. Et là où je pouvais gagner de l'argent en même temps, doublement, quoi, doublement, en tant que travailleur et en tant que musicien. Okay. Donc là où je me suis vraiment bien éclaté, quoi. Okay. Et c'est là aussi où je me suis permis d'installer mon premier groupe. Qui s'appelait comment? Yonui, depuis toujours c'est Yor, Yonui, donc ça n'a pas changé, ouais, c'était Yonui. Yonui, c'est le seulement, ça s'est un peu grandi avec le temps, quoi. D'accord. Et c'est un groupe qui reste quand même fixe, qui ne change pas de temps en temps? Si, quand même, ça a changé parce que je suis le seul qui bouge pas, quoi, en fait, et c'est normal. Donc, je l'ai fondé avec Thierno Sarr, qui est actuellement l'actuel bassiste de Youssoundour. Et on l'a formé ensemble. Avec lui aussi, on était à Djourbel ensemble, dans l'orchestre régional. On s'est retrouvés à Dakar. D'accord.
Et ce fut pourquoi vous jouiez avant les premières scènes de spectacle de Youssou N'Dour. Parce qu'avant, c'est Yorinia qui faisait toutes les Je jouais en même temps que Papé Cher aussi. D'accord. Parce que en fait, je devais être produit par le label Diololi à l'époque. Ça n'a pas abouti. On a commencé à faire des enregistrements, on a même enregistré quelques titres. Mais tu sais, avec le fougue de jeunesse, j'étais impatient, je voulais vraiment... Donc je n'avais pas cette patience et puis je me suis tiré quoi. On dit souvent qu'il faut toujours un déclic à une carrière, c'est-à-dire toute personne a besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main pour pouvoir voler de ses propres ailes. Mm-hmm. Pour toi, quel a été ce coup de main ou quel a été ce coup de pouce donné par qui ou qu'est-ce qui t'a permis de te sentir carrément Yorinia, ce que tu es devenu actuellement? Quel a été ce premier coup de pouce là? Je crois que c'est ma volonté, hein. En fait, c'est ma volonté parce que en voyant des artistes comme Youssou N'Dour, comme Ismaël Lo, comme Baba Mal et tout, donc je me suis dit que s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont cru à leur destin. Donc pourquoi pas moi aussi, hein. Voilà, donc mais c'est ce qui m'a poussé même à aussi voler de mes propres ailes, hein, parce que je me suis dit que le soleil brille pour tout le monde, donc Dieu est là pour tout le monde, donc je ne vais pas vraiment être là à être écrasé. Voilà. Dans la donc. Foule. Alors, sur Dakar, quelle a été ta première grande scène sur Dakar? Sur Dakar, c'est la scène de Youssou N'Dour. Hein. Jouer quand même pour la première part de Youssou N'Dour, c'est énorme pour un jeune artiste. Hein. Après, voilà, donc j'ai participé dans la compilation Sénégal Folk qu'avaient initié les frères Guissé. Avec cette compilation, il nous a ouvert des portes. On a fait des scènes, on a fait une tournée nationale, on a fait Thiès, Saint-Louis, l'Université de Saint-Louis, et puis voilà quoi. Donc chaque soir, on se retrouvait au Planète Café et on se produisait à tour de rôle. Il y avait plein de jeunes artistes tels que Magou qui est en France, Légui, et Doudou Mar, il y avait Paco Diaz, Lang Diame, il y avait plein d'autres jeunes. Et d'où est venu votre premier disque? Non, en fait, moi j'ai juste posé un son. J'ai proposé le son Africa qui est devenu Atelène dans mon album. Mon premier disque, je l'ai produit moi-même. D'accord. Donc, je me suis autoproduit. Donc, quand j'ai quitté Tchouloli, comme ça, peu de temps après, avec des proches, avec l'aide de quelques proches, donc je suis allé enregistrer l'album, mon premier album qui s'appelle Bekedem. Et s'autoproduire, c'est quelque chose de difficile qu'on voit de nos jours très souvent, par contre. Il y a plein d'artistes qui s'autoproduisent eux-mêmes. Voilà. C'est très difficile. À l'époque, c'était pas facile quand même. C'était très rare même. Oui. Et puis, vraiment, je m'en suis réjoui avec le résultat que j'ai eu par la suite, parce que c'était rare, les artistes qui n'étaient pas dans des labels et qui pouvaient émerger. C'était très difficile, hein, difficile à l'époque. Oui, donc, voilà. Donc j'ai eu le courage vraiment de le faire et je ne regrette rien quoi. Est-ce parce que vous n'aviez pas eu d'appel ou d'offre de production? Non, c'est pas que... En tout cas, je l'ai eu à travers Diololi. Et puis en même temps, quand j'avais la proposition de Ndiaga, il y avait un autre qui voulait, mais j'avais porté mon choix sur Diololi parce que j'étais fan de Youssou N'Dour. Okay. Donc voilà, je voulais être dans son truc, quoi, dans son domaine. D'accord. Donc pour vous, l'attente était longue alors? Non, c'était pas tellement long, mais, mais c'est moi qui étais pressé en fait. D'accord. À un certain moment, on a envie de s'exprimer, voilà. Donc, voilà. Donc ça a quand même porté ses fruits. Oui, c'est le destin en fait. C'est le destin, vous a réussi quand même. Oui, alhamdulillah. Eh bien, chers amis téléspectateurs, là c'était notre rubrique biographie parcours et nous allons directement attaquer le prochain rubrique de notre émission qui est choix du style, style time. A tout de suite. Chers amis téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes dans votre émission Look de Star, dans votre rubrique Choix du style, Style Time. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, notre invité va nous parler un peu plus de son choix vestimentaire, mais surtout de son choix musical. Donc, Yorinia, tout au début, c'était que l'acoustique. À la fin, on a senti quand même un petit penchement du côté du malheur. Pourquoi ce changement?
Je n'ai pas changé en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai débuté dans le Mbala. D'accord. Bon, moi je me suis fait découvert par l'acoustique parce que je n'avais pas le choix en fait. Okay. Je n'avais pas de groupe, j'avais que la guitare pour m'exprimer. Donc on m'a connu à travers l'acoustique. Okay. Mais j'ai commencé dans l'orchestre régional. Qui dit orchestre, dit orchestration, sûr, et puis surtout dans la région de Djourbel, trucs comme ça. Donc il y avait le Mbala qui prédominait. Donc la musique qu'on faisait là-bas, c'était du Mbala. Donc, mais j'avais ce penchant-là envers l'acoustique. J'étais toujours quelqu'un de très curieux. Et j'écoutais beaucoup de musique. Et il y avait cette influence-là envers cette musique-là, acoustique, qui m'attirait. Parce qu'à chaque fois, je me rappelle, à chaque fois qu'on finissait de répéter, on se retrouvait avec les tiernos et autres pour jouer de la musique acoustique, pour expérimenter d'autres choses que ce qu'on faisait à l'orchestre régional. D'accord. Donc pour vous définir, il faudra dire que Yoro Ndiaye, c'est un balakman ou il fait juste de la musique acoustique? Si, comment vous définir? Si tu me dis, si tu me taxes de balakman, c'est erroné déjà parce que je ne fais pas que du balak. Bon, moi je fais de la musique. D'accord. Je fais de la musique parce que je fais toutes sortes de musique, mais en acoustique. D'accord. C'est-à-dire avec en couleur acoustique. D'accord. C'est-à-dire, moi j'ai l'habitude de dire que l'acoustique, ce n'est pas un genre musical, mais c'est une couleur. Oui, exactement. Exactement. Voilà. Donc, vous préférez qu'on vous définisse dans la couleur acoustique? Voilà, donc même si je fais du mbalak, on sent la couleur acoustique. D'accord. Je fais du reggae, mais en couleur acoustique. Souvent, avec des couleurs de blues, des musiques traditionnelles, mais tout le temps, cette couleur-là. D'accord. Voilà, donc je préfère garder ça, quoi. Mais je m'enferme pas, hein. Je peux même faire de la musique électronique, hein, parce que moi, j'aime bien aller à la découverte de beaucoup de choses, quoi. Voilà, donc, voilà. On dit souvent qu'il y a plein d'artistes, surtout au Sénégal, qui commencent par souvent l'afro ou l'acoustique, comme vous dites, et qui finissent par le mbalak pour pouvoir percer ou atteindre un certain niveau plutôt commercial. Ça a été votre cas? Bon, je ne dirais pas ça, en fait. Bon, moi, je me suis dit qu'il fallait jouer le mbalak parce qu'il ne faut pas laisser... Ce n'est pas les Camerounais ou les Congolais qui vont venir nous faire notre musique. Mbalak fait partie de notre patrimoine. On va pas le délaisser sous prétexte que ça ne s'exporte pas. C'est à nous d'y travailler et de le faire exporter. Exactement. Et comment faisant, c'est-à-dire d'ouvrir cette musique-là, essayer d'apporter l'expérience qu'on a eue à travers les autres musiques, l'ouverture qu'on a eue avec, à travers les autres musiques. On essaie de mélanger ça avec le mbalak pour que ça puisse... Voilà, voilà, donc c'est ce travail-là. En tout cas, c'est cette démarche-là que j'ai eue. Si vous voyez les premiers morceaux que j'ai faits et qui sont plus ou moins un mbalak acoustique, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait ici. Donc c'était une démarche. Même si vous voyez le dernier tube que j'ai fait, là, le dernier morceau que j'ai fait avec Rema, c'est la musique urbaine que j'ai mélangée un peu avec le mbalak. Donc c'est cette démarche-là que je fais dans la musique en général. Vous aimez bien faire ce cocktail d'acoustique et mbalak. Voilà. Et en tout cas, ça vous réussit très bien. Merci. Et vous voulez bien nous offrir une autre chanson? Oui, pourquoi pas. Et cette fois-ci, laquelle? Je vais essayer. Ok, je vais vous donner Wanma. Wanma, ouais. D'accord. Wanma. Wanma sambukel so beke maginel lali mechima sambukel so beke maginel lali my feel yeah romachi sikisaka romachi jiri jara luma wara yegla romachi sikisaka romachi jiri jara luma wara yegla alal bula ta reforcé sa banner bi moy divorcé bulle top succès célébrité fonga si porté bulle ta reforcé sa banner bi moy divorcé bulle top succès célébrité fonga si porté waaw waaw
wonna samba gel so bege ma gina lali ne ci ma samba gel so bege ma gina lali may fil ye warma ci siki saka warma ci jiri jaha luma wara yegla warma ci siki saka warma ci jiri jaha luma wara yegla La terre est forcée, sa banner bi moui divorcée. Plutôt pour succès, célébrité, fong si porté, waouh, waouh. So beke de ya le tar, beke l'ge de faisar. Beke l'boude de farah. Fanga de kay wax wa 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 show me real love bakel su de ko redi wor ko yal won ko ko wol ko show me real love Why him begel se de goul Sa xel mi ngay foye di calculer di manipuler Yow di tek dil di calculer di manipuler Show me real love Wama sa begel sa bege ma gine lali ne ci wa sa begel So pique magine lali moy fil ye Yes aya je vous l'avais promis là tu nous as proposé quelle chanson comment ça s'appelait c'était quoi ce titre Wonma Wonma show Et me pour ceux qui ne comprennent pas la chanson parle de quoi Wonma sa beugel ça veut dire je dis beugel ça veut dire en fait alal bu la taxé forcer si quel s'il y a quel la richesse si ça t'attire C'est ton bonheur qui va divorcer. C'est... Donc l'amour naturel, quoi. Ouais, je veux, ouais. C'est ça que je dis en grosso modo, quoi. Il veut du top au succès, il ne faut pas aussi être attiré par le succès. Mm-hmm. Voilà, parce que le succès, en fait, ce n'est pas aussi éternel. C'est... Donc du coup, quoi, il faut être naturel. Okay. Parce que quand tu forces les choses souvent, tu manipules. Tu take un deal comme je dis voilà tu fais tout pour essayer de combler ce truc là comment dirais-je ce manquement voilà oui. Donc tu fais tout pour cacher ton jeu quoi en quelque sorte donc un conseil de Yoron Ndiaye il faut aimer tout simplement naturellement et ne pas voir autre chose si j'ai bien compris alors dis-moi vite fait avant qu'on attaque notre prochaine rubrique pourquoi la guitare C'était à la portée, en fait. C'était à la portée, donc c'était plus accessible pour moi, pour m'exprimer. Parce que je n'avais pas les moyens à l'époque de me payer un piano. J'avais pas d'orchestre pour m'accompagner. Donc la seule chose que j'avais, c'était la guitare. Ma première guitare que j'ai eue, je l'ai fabriquée de mes propres mains. Ah oui. Ouais, mon père, c'est un menuisier ébéniste. Okay. Donc, je travaillais dans son atelier pendant les vacances. Mm-hmm. Bon, jusqu'à présent, je sais faire plein de choses avec le bois. D'accord. Donc, je me suis débrouillé à fabriquer vraiment une guitare qui n'avait pas ce mécanisme. Donc, il y avait des clous que j'avais mis. Okay. J'étais plus jeune. Hein. D'accord. Et voilà, donc, et j'ai mis des câbles de frein comme corde de guitare. Okay. Et l'essentiel, c'était de sortir des notes. Oui. Et je jouais avec. En ce moment-là, je ne savais pas que j'allais devenir pourtant un musicien. D'accord. Et j'ai joué du toksingalam. J'étais un très bon joueur de toksingalam. Et c'est quoi pour ceux qui ne comprennent pas et moi aussi. Toksingalam, les Sénégalais, ils comprennent. Hein. En fait, c'est un instrument monocorde. C'est-à-dire qu'on fabriquait grâce à, au pot de café ou bien... Ça dépend de voilà quoi. C'est un pot de café ou bien de lait, quelque chose comme ça, qui permettait bout de bois de s'accrocher. D'accord. C'est-à-dire, les pots, si tu ouvres les pots, il y a le rebord
qui pouvait permettre à un bout de bois de s'accrocher. D'accord. Et grâce à ça, tu pliais et tu mettais, tu trouvais le pot et puis, tu mettais. Prochainement, tu vas revenir avec ce tuxingala. Voilà, donc c'est un truc que je jouais et j'étais très fort avec ça. D'accord. En ce moment-là, donc on m'appelait partout pour que je joue. Voilà, et donc. Quelle a été votre première vidéo? C'était, je crois, Barry Sarria. Barry Sarria, oui, je me rappelle très bien. Et cela vous a ouvert aussi d'autres portes. Oui, Barry Sarria. International. Oui, Barry Sarria. J'ai tourné même une partie de la vidéo à Milan. D'accord. Ouais. Et on a vu que aussi Yoro Ndiaye se produit maintenant au niveau national comme international. Mm-hmm. Vous avez participé à plusieurs festivals. Mm-hmm. Comment s'appelle encore le concours que vous avez été sélectionné aux États-Unis, je pense. Ça fait longtemps, c'est en 2011 ça. Oui. C'est le Global Fest. Global Fest. Global Fest, oui. Voilà. C'est comme Walmart, hein. C'est comme Babel Med, c'est des marchés de musique en fait. C'était des genres de foires de musique. Mm-hmm. Et ça pouvait permettre aux jeunes artistes de se découvrir, de se faire découvrir, par exemple, par des journalistes, par des promoteurs de festivals, ou bien, voilà quoi. Donc, on te mettait en disposition une scène, une sono, et puis on invitait les professionnels du secteur, et tu t'exprimes. Ok, voilà, et tu vas mieux t'exprimer. Chers amis téléspectateurs, nous allons attaquer notre prochaine et dernière rubrique, Relooking. J'adore cette partie. À tout de suite. Chers amis téléspectateurs, nous sommes dans notre rubrique Relooking, ma partie préférée, j'imagine que vous aussi, car notre invité va défiler pour nous, mais attention, c'est pas un podium, c'est juste là. Par contre, ce sera ses propres tenues. Yoro nous a apporté 4 tenues qu'il a arborées sur scène dans certaines vidéos et scènes que tu as faites, c'est ça? Ouais. D'accord. Et donc, chers amis téléspectateurs, avant d'attaquer, nous allons laisser se changer et mettre sa première tenue et nous revenir tout de suite. Alors. Chers amis téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes dans votre émission Look de Star, dans votre rubrique Relooking. Et Yoro s'est changé, il a mis sa première tenue. Alors Yoro, cette tenue, c'était en quelle occasion? C'était quand je tournais Whale. Okay. C'était dans le clip de Whale. Okay. Quand j'étais sur le ring avec les filles. D'accord. Et pourquoi ce choix de style? Ce choix de style, parce que je voulais faire quelque chose de moderne, mais avec des couleurs assez africaines, quoi. Donc voilà, je l'ai proposé. D'habitude, moi, quand je fais les vidéos, je laisse le choix au réalisateur de choisir les tenues. D'accord. Mais souvent, quand j'ai des idées aussi, je lui propose. Mmh. Voilà, donc je lui ai suggéré ça et puis voilà, il m'a dit c'est joli, il faut le mettre. Donc, ouais, c'est une très très jolie veste, mais qui a créé cette veste-là? C'est Idi, il n'est pas très connu, mais c'est lui qui fait pratiquement toutes mes tenues. Oui, voilà, il a beaucoup de talent. D'accord. Vraiment, quand il a fait ça, il y avait pas c'était rare de voir ça, vraiment des vestes de wax, trucs comme ça, même le truc avec les capuches là, les bombes en wax, c'est la première personne que j'ai vu faire ça. D'accord. Et j'en ai un même à la maison, et quand je l'ai mis sur, si vous voyez, même les danseurs ils ont ça. Dans le clip, en ce moment-là, ce n'était pas encore à la mode ici. D'accord. c'est une chose que vous faites d'habitude sur vos scènes, où vous avez l'habitude de vous habiller moderne, ou tout le temps, c'est en wax. Vous ressortez tout le temps l'africanité qui est en vous? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Parce qu'il faut qu'on t'identifie en tant qu'Africain aussi, hein, quand tu es sur scène. Moi, j'aime bien avoir ce look africain et puis mélanger un peu roots, baïfal,
pour représenter là où je viens. Donc j'aime bien mélanger cette modernité-là avec l'africanité. Voilà, donc j'aime bien ça. Et surtout ce côté Baïfal, on le ressent souvent du côté du, si je ne sais pas si j'ose l'appeler collier. Oui, les ndombos, comment dirais-je, les chapelets, les trucs, voilà, j'aime bien ça. D'accord. Alors dites-nous, est-ce que vous faites partie des artistes qui pensent que tout artiste, tout chanteur devrait apprendre la musique? Ça a l'air bien, faire des cours, ou est-ce simplement un don où il faut creuser? Oui, mais si il faut avoir un don d'abord, mais il faut, si on a la possibilité d'aller apprendre, c'est mieux. Oui, c'est bien d'aller apprendre la musique. Moi, j'ai jamais eu la chance de rencontrer un prof de musique avant. C'est-à-dire, avant d'être vraiment dans le milieu artistique, c'est en devenant vraiment un artiste confirmé que je suis conscient que je devais apprendre. Et à travers mes voyages, à chaque fois que je voyageais, j'allais acheter un livre de musique accompagné où il y avait les CD pour réapprendre la guitare. Voilà, donc je prenais à travers YouTube des cours de chant, je réapprendre à chanter. Voilà, donc ça ne suffit pas. C'est là où se trouve la différence en fait. C'est-à-dire, si tu as le talent et sans aller au-delà de ça, avec le temps, tu vas avoir des limites. Tu vas voilà, donc voilà, si on aspire vraiment à aller de loin et faire le tour du monde, échanger avec d'autres artistes, il faut apprendre un tout petit peu quand même. Hein. La musique. Et tu peux nous offrir le morceau de ta vidéo avec lequel tu as porté la veste? Oui, well. Notre acapella. OK. Kinyak bakalam dem. Ci jëlu momul mom ya koy wayal ñawul bar ya len fi nekkal yow wayal. Super, j'aime bien les spectateurs. On aurait pu faire avec la guitare, mais c'est pareil. Donc nous allons te laisser changer et mettre une autre tenue. Cette fois-ci, tu vas mettre laquelle? Tu vas mettre laquelle? Je vais mettre Donc nous allons laisser Yuria s'échanger avec le tirant de l'éducateur. Deuxième tenue de Yoro dans notre rubrique relooking, tout à fait majestueux, on va dire, le blanc avec les cols en wax aussi. Oui. Et c'est quand quelle occasion? C'était pendant le tournage de Namunalen, le morceau que j'ai joué en premier. Ouais. Ok, et cette fois-ci, c'était le même créateur? C'était le même créateur. Tu sais, moi, je suis très fidèle en fait. Jusqu'à présent, c'est le même gars qui fait mes tenues. Hein. Parfois, on m'offre des tenues et tout, mais quand j'ai quelque chose de spécial ou bien j'ai une occasion à célébrer ou quelque chose comme ça, je fais appel à lui. Souvent, j'ai une idée de ce que je veux. D'accord. Et je lui dis que, et lui, il me comprend. Et cette fois-ci, c'était ton idée de mettre ça dans le tournage? Non, ou c'était l'idée du réalisateur? Non, en fait, moi, je lui ai dit que je devais tourner et que tu as une idée de costume ou bien de vêtements que tu voulais me proposer. Il m'en a proposé. Et puis, j'ai donné ça à Lahat. Lahat, il a choisi ça. D'accord. Avec d'autres tenues, en fait. Okay. Ouais. Donc, si je comprends bien, d'habitude, tu choisis toi-même tes tenues pour... Ouais, moi, j'ai une idée de ce que je veux en général. Avant de faire la commande, j'ai une idée et puis je propose au tailleur de confectionner ça pour moi. Après, je propose ça au réalisateur. D'accord. Maintenant, c'est au réalisateur de me dire que par rapport au décor et tout, moi, je veux ça, je préfère ça, pas ça, pas... voilà, donc... D'accord. Okay. Voilà. Parce qu'on a l'habitude de voir qu'il y a des artistes souvent qui ont staff uniquement pour l'habillement derrière, qui leur souvent ils n'ont même pas leur aval à donner, tu mets ça ou bien tu portes ça directement, mais apparemment c'est pas ton cas. Non, moi je suis conscient de ce que je veux. Puis voilà quoi, souvent je demande conseil, hein. Parfois je peux mettre ça et je sors, je demande à mon frère est-ce que ça, ouais, ou bien je dois aller à tel endroit, voilà, donc je suis assuré. Oui, depuis le lycée. D'accord.
Souvent, je les faisais, je les défaisais, et puis voilà, donc... Est-ce pour le style musical ou parce que tu as toujours opté ça? Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Ça, c'était une liberté, en fait. D'accord. Moi, je suis... Je me suis dit que je quoi. D'accord. Ok, super. Ça n'a rien à voir avec musique ou baïfa, truc comme ça, rasta. C'est non, c'est juste... voilà, c'est... Freedom, quoi. D'accord. Mais dis-nous, Yoro continue à s'autoproduire ou tu es dans un label ou pas? Oui, je fais de l'autoproduction, je produis même des artistes maintenant. Mmh. J'ai un studio et puis je viens de mettre sur pied mon label qui s'appelle Afrique Mello. Okay. Donc je suis en train de construire quelque chose petit à petit. J'aide des jeunes qui viennent de démarrer, j'accompagne des projets. Voilà, donc voilà, je suis dans ça. Pour le moment, je suis en train de le construire petit à petit, quoi. C'est pas très difficile de prendre ta carrière en main et cette production? Bon, c'est pas facile, hein, rien n'est facile dans la vie, mais c'est-à-dire quand on excelle dans un milieu, il faut essayer de redonner, de redistribuer. Donc, c'est-à-dire moi... je voudrais vraiment demain, quand je ne serai plus là, qu'on dise que j'ai fait ça pour la musique. Voilà, donc je ne vais pas attendre jusqu'à l'âge de la vieillesse et puis pour commencer à faire ça, je le fais maintenant. Maintenant que je suis encore. Voilà. C'est une chose. Et nous allons te laisser te changer maintenant que tu es chaud aussi. Nous allons en profiter donc que tu vas te changer. Yoro va mettre une autre tenue. Troisième tenue de Yoro dans votre rubrique relooking tout en beige ou marron? Marron, c'est du marron beige, oui. En tout cas, c'est une très très belle tenue et tendance dernièrement aussi. Mm-hmm. Et c'est le même créateur? Non, ça c'est Ngorba. Okay. C'est Ngorba qui me l'a offert parce qu'on a un ami en commun, une amie, je veux dire, mamie Sen, qui, donc il venait souvent quand je jouais au King Fat. Il venait là-bas, donc je ne savais même pas qu'il était créateur de mode ou quelque chose comme ça, quoi. C'est à travers mamie que j'ai su qu'il faisait des tenues et tout. Et puis quand j'avais cette envie-là, comme je le voyais souvent dans mes soirées, et je voulais vraiment m'associer à lui un tout petit peu sur cette vidéo, donc je suis allé le voir, il m'a proposé cette tenue-là. Ah, c'est une autre vidéo aussi. Ouais, ça c'est une vidéo, ça c'était dans la vidéo One Man. Okay. Ouais. Et c'était aussi ton idée ou non, je suis allé, je lui ai dit que je devais j'avais besoin d'une tenue africaine et puis je devais tourner une vidéo, voilà, donc il m'a tout de suite proposé ça. D'accord, super. Alors dis-nous, Yoro, maintenant tu te sens fier de toi-même, Yoro a pu réaliser ses rêves, est venu à Dakar et maintenant dans les scènes internationales, on peut dire internationales. Alors tes projets futurs, tu veux dépasser ce stade, bien sûr, comme chanteur. Ah, si. Ah, mais oui. Y aurait-il des trucs qui te restent à faire? Plein de choses. Tu sais, dans la vie, souvent, on part en laissant des sentiers derrière. On ne peut pas tout faire. Donc, je suis en train de courir tout le temps derrière les projets. Tu sais, l'homme propose, je dispose. Souvent, on a de grands projets, souvent, mais il y en a peu qui vont se réaliser. Je seul sais pourquoi. Donc voilà, mais on s'en réjouit de ce qu'on a déjà accompli jusqu'ici. Vraiment, ça pouvait ne pas se réaliser comme ça s'est fait. Donc on remercie le bon Dieu. Voilà, donc parce qu'il faut regarder tout le temps ceux qui n'ont pas réussi. Voilà, ceux qui ont essayé, qui n'ont pas démérité, pourtant qui ont tout fait pour réussir et que ça n'a pas abouti. Pourquoi toi? Donc on remercie le bon Dieu, quoi. Et des projets à venir, des scènes à venir? Des projets, bien sûr, parce que moi je viens de mettre sur pied un jeune festival qui était à sa première édition l'année dernière, le Sun Folk Festival. Et j'avais produit une compilation
comme je sortais d'une compilation moi-même, je voulais reproduire, donner la chance à des jeunes à faire comme moi. Donc, j'ai donné cette opportunité-là à plein de jeunes qui ont participé, des jeunes qui n'étaient même plus à ce, comment dirais-je, à présenter, des grands talents qui ont fait partie de cette compilation. Grâce à Dieu, la première édition, ça s'est bien passé. Mais ça devait se reproduire ce mois de juillet. Okay. Mais je viens de sortir d'une opération. Vous voyez là. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est la première télé que j'ai fait après l'opération pour chanter. Donc ça a un peu affecté l'organisation parce que moi-même je devais être au cœur de l'organisation. Donc on a jugé nécessaire pousser l'événement jusqu'à peut-être en décembre. On est en train de s'organiser pour trouver une nouvelle date. Le parrain de cette édition, c'est Baba Mal. Il nous a donné son aval. Il devait être même présent le festival se faisait en juillet. Et malheureusement, avec les événements qui se sont passés, je crois que même si ce n'était pas l'opération, on n'allait pas le faire avec les événements de la CAN et tout ce qui s'est passé. Oui. Grâce à Dieu, Dieu fait bien les choses. Quoi. Oui. Donc, en tout cas, nous vous souhaitons un très bon rétablissement et merci. Bonne chance pour ce festival, pour la deuxième édition. Merci. Et nous vous laissons vous changer à nouveau. OK. À dernière tenue de Yoro de notre invité dans votre rubrique Relooking. Et oui, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Look de Star, Yoro tout en wax, cette fois-ci en vert, un petit panache. Oui. Oui, ça c'était quand on m'a invité sur Canal Plus avec les Robert. Il y a Robert qui voulait récupérer cette tenue. Quand j'ai fini, je me rappelle, il m'a dit que tu vas nous laisser cette. J'ai dit non, ça, vrai, je vais garder ça. Et puis on l'a utilisé aussi quand je faisais les affiches de Mandou. J'ai utilisé, c'est vrai. Et c'est le même créateur que les. C'est le même créateur. Il est très bon. Okay. Vraiment. Non, je lui ai donné je lui ai dit j'ai besoin d'un veste en wax et il me l'a fait. Ah, en tout cas, c'est un très très joli, c'est une très jolie, très belle tenue, un très beau mélange qu'il t'a fait. Ouais. En tout cas, Yoro a un très très beau style africain, baïfal, un mélange que tu t'es approprié. Et de nos jours, on a l'habitude de voir que les artistes, les surtout les chanteurs, comme les musiciens, on a l'habitude de mieux montrer cette partie africaine. Parce qu'avant, on les voyait mettre juste, ils se contentaient de mettre un veste moderne, de mettre un t-shirt avec des baskets, partir. Par contre, maintenant, ils osent plus. Ouais. Et j'imagine que toi, comme eux, vous êtes d'accord sur cette lancée. Oui, je crois que c'est nous, d'une part, on est une vitrine. Hein. Oui, on doit refléter. Notre culture à travers non seulement nos paroles, notre couleur musicale, mais à travers notre tenue vestimentaire aussi. On doit vendre notre destination, là d'où on vient. On doit mettre en valeur les artisans, les travailleurs de chez nous. On doit vraiment les représenter. On doit vraiment leur rendre hommage à travers les scènes qu'on fréquente, quoi. D'accord avec cette idée, un artiste devrait non seulement, quand on parle d'artiste, on parle de musique bien sûr, bien chanter, oui, ça fait partie, mais un artiste devrait aussi être bien soigné sur scène que dans ses vidéos. Ça c'est vrai, oui. Ça c'est vrai, une image. Hein. Oui, c'est une image. Et c'est une marque déposée. Une autre question, j'adore, chers amis, j'imagine que vous aussi vous attendez cette question. Alors, Yoronia, a-t-il un cœur à prendre? Non, moi je suis marié depuis. Je suis marié depuis. Ça fait longtemps. Ok. Ouais, je suis longtemps. Donc, il y a sa petite famille, sa petite.
Ouais, tranquille quoi. Super, c'est une bonne chose à apprendre. Chers amis téléspectateurs, nous n'allons pas vous quitter maintenant parce que Yoro a une toute dernière chanson à nous offrir. Mais à la fin, par contre, Yoro, on te remercie de par ma voix. Effet Chanel te remercie, la télé te remercie. Ce fut un très très grand plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Moi, le plaisir était pour moi. C'était vraiment très convivial. C'était voilà quoi. C'était amical. C'était tout ce que tu veux quoi. C'était voilà. J'ai bien aimé l'ambiance de cette émission. Et puis voilà, ça peut faire découvrir aux gens une autre côté de moi. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité là. Voilà, de dévoiler ce côté-là. C'est le but de notre émission, en tout cas, comme on vous le dit à chaque fois, chers amis téléspectateurs. Look the Star est là pour vous. Nous vous parlerons de leur choix vestimentaire et de leur choix musical, comme vous l'avez vu. Yoroya et ses produits, nous avons eu 4 acapella, 4 tenues. Ce fut une excellente soirée. Ce fut une très très belle émission. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement. Et avant cela, Yoro nous offre une toute dernière chanson. Cette fois-ci, c'est laquelle? Laquelle vous voulez? Je vais vous donner Bella alors. Bella alors, cher présentateur. Gintonanga Pugma, Girialla, Hololo Zamadar. Tunanga selma munyalma basamaya idilagara Maniya ulai set ngengadon basamaya idon Maniya ulai set ngengadon jabar jimanamu Uyuma bella Uyuma bella Se devião sa mãe gudi ai sa mãe pechegi gana nera mani ou la yeni jor la sa mkhol mai lembegel putul ma senye mani ou la yeset nginga don sa mãe yai don mani ou la yeset nginga don jabar yimana mon. Oh, you my belle, bella. Oh, you my belle, bella. You my dina la set, chibé bouret. Goudé bêche, gamoun fet. Gisa ma hol bino pévé. Souma connecté au internet, se profil la frise. Yeah.